Qui sait comment ça s'appelle toute cette terre? L'Europe. Qui est-ce qui veut répondre? Oui, l'Asie. Oui. Maîtresse, où est l'Afrique? Eh bien, tu vois, l'Afrique, c'est là. Maîtresse, où est la Libye? Ah, je vais te montrer où elle est, la Libye. Sur la grande carte. Elle est ici, entre l'Égypte et l'Algérie. Maîtresse, où est l'océan Atlantique? Il est là. Nous allons voir les pôles. Plus personne ne bouge! Ne touchez pas aux enfants! Pas dans le coin! Allez, va dans le coin! Donne-moi les clés. Plus personne ne bouge. Et toi, t'as pas intérêt à appeler la police. Je vais appeler la police, rassurez-vous. On va retrouver vos camarades. Ils vont pas tarder à arriver. Ah, c'est sûrement eux. Entrez. Bonjour, enchanté. Commissaire Durand. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Il y a eu des personnes qui ont kidnappé des enfants. Tout en noir, avec des masques. De quelle taille es-tu? À peu près grand comme ça. Cheveux courts et de quelle couleur? Je ne sais plus, j'ai eu trop peur. Comment s'appelaient les enfants? Mélissa et Miley. Nous allons procéder à un interrogatoire. Y a-t-il un endroit où nous pouvons interroger les enfants? Oui, je peux vous libérer la salle à côté. Allez, finissez-moi ce travail! Et impeccablement! Et surtout, tout juste! Je vous en supplie, laissez-nous nous asseoir. Non, pardon, vous aurez fini ce travail. Orphiche, laissez-nous nous asseoir. S'il vous plaît. Non! Et tu vas plus vite, là. Est-ce que tu repenses? Ce cheveu se trappe la nickel. Si j'aime pas nickel. C'était qu'un noir. Est-il tel grand ou petit? Il y en avait un qui était comme ça et un pareil. Leurs cheveux, la couleur longue, courte. Il y en avait un qui était court, qui était long. Il y en avait un qui était long. Mais lui aussi, il était long. Était-il armé? Oui. Combien étaient-ils? Trois. Est-ce qu'ils avaient des armes? Oui.
Comment t'es-tu habillée? Je m'en rappelle plus. J'avais trop peur. Non, c'est pas grave, rassure-toi. On va les retrouver. N'aie pas peur. Tu verras, on les retrouvera. J'avais trop peur. Comment étais-tu habillée? Je m'en rappelle plus. Vous connaissez la voix? Non. Vous êtes la taille de qui? Nous ne savons pas. Vous pouvez partir. C'est quand même logique qu'il répond tout le temps non. Oui, c'est vraiment logique, il faudrait les suivre de plus près. Oui, moi aussi, je pense. Prêt? Entrez! Vous voulez me voir? Oui, oui, asseyez-vous, je vous en Pourquoi vous les avez envoyés par deux, ces deux-là? Parce qu'en ce moment, ils sont vraiment inséparables, ils sont toujours ensemble. C'est vraiment louche, ils disent tout le temps non à ce qu'on, les questions qu'on leur pose, alors que tous les autres savaient bien comment ils étaient habillés. Ils disent tout le temps non, ils sont vraiment bizarres. Oui, c'est vrai qu'ils sont très bizarres en ce moment, ils jouent avec personne. Ils se cachent pour parler ensemble. Ils sont très bizarres. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour qu'on les observe de plus près? Et si je leur faisais préparer un exposé? Oui, oui, ça serait une très très bonne idée. Allez faire un exposé. Ils sont chauds. Peut-être qu'ils sont déjà dans la cave et ils sont en train de les faire travailler de force. S'il vous plaît, tu crois que tu vas aller t'asseoir alors que t'as mal écrit? Tu travailles mal? Pas de question. Les mains en l'air! Et alors? C'est pas une raison pour kidnapper des enfants! Nous voulons un monde parfait, où tout le monde travaille bien, et un monde où il n'y a jamais de faute. Comment avez-vous su que ces enfants travaillent pas bien? C'est nos enfants qui nous ont dit. Mais quels enfants? Ceux qui étaient dans la même classe. Tiens, tout s'explique à présent. Oui, ça explique pourquoi ces deux-là étaient si bizarres. Revois la camarade.